Salut, c'est Captain America. Si comme moi tu veux devenir le meilleur personnage du Marvel Cinematic Universe, il n'y a qu'une solution, une alimentation équilibrée. Grâce à ça, tu pourras être super fort et réussir à marcher sur des œufs. Et si tu aimes manger et que tu es créatif, tu peux aussi faire de beaux tableaux comme cette pyramide. Équilibré ? En 2008, c'est le grand début du Marvel Cinematic Universe dans les salles obscures et la Maison des Idées s'appuie sur 4 héros, Iron Man, Hulk, Thor et Captain America, qui est le dernier à débarquer sur grand écran alors que c'est l'un des personnages Marvel les plus connus dans le monde avec l'alter ego de Bruce Banner. On pourrait penser que le studio n'avait pas assez confiance en Steve Rogers pour qu'il soit le fer de lance de son univers sur grand écran, et quelque part ça peut se comprendre. Parce que pour beaucoup, Captain America c'est un surnom on ne peut plus patriotique, un costume aux couleurs du drapeau des États-Unis et un bouclier encombrant, mais également deux téléfilms sortis en 1979 et qu'on qualifiera de gentiment kitsch. Oh là oui, ça pique, hein, mais dites-vous qu'il y a eu pire en 1990. C'est sûr qu'avec tout ça, tu ne pars pas vainqueur, et encore plus lorsque le rôle est confié à Chris Evans, en qui le grand public ne voit rien de plus qu'un acteur au physique de capitaine d'une équipe de football américain et qui n'a déjà pas fait des étincelles en jouant la torche des 4 fantastiques. Oh, you're hot. Well, thank you, so are you. Mais en réalité, tout ceci n'est que le fruit d'une gigantesque méprise autour du héros et de son interprète, qui a prouvé dans Sunshine, Snowpiercer ou Mary qu'il avait d'autres talents que son physique. Et ça, il a réussi à nous le montrer alors que Captain America devenait le personnage le plus intéressant du Marvel Cinematic Universe, là où Tony Stark a fini par tourner en rond pendant que Thor s'est longtemps cherché et que Hulk changeait radicalement d'un film à l'autre. Tout commence donc à l'été 2011 avec Captain America First Avenger, qui nous renvoie au début des années 40 et fait de Steve Rogers le seul héros du Marvel Cinematic Universe à s'être illustré à l'époque à laquelle il a été créé, puisque né en 1940 grâce à Jack Kirby et Joe Simon. Et en même temps, c'est logique, car le personnage a été créé à des fins patriotiques et dans un but de propagande peu de temps avant l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça qu'on le voit frapper Hitler sur la couverture du premier numéro de ses aventures, auquel le film rend hommage. Créer un héros appelé Captain America, c'était plus facile à une époque comme celle-ci où le mal était beaucoup plus identifié, alors qu'aujourd'hui ou dans les années 70, c'est plus compliqué car plus flou, et parce que les valeurs qu'il incarne ont quelque peu été mises à mal. Ces valeurs, ce sont la justice, l'intégrité, la paix et la lutte pour la liberté, des principes que possède déjà Steve Rogers qui, contrairement aux autres Avengers de la phase 1, a les qualités d'un héros, mais pas le physique. Et c'est là l'une des clés pour comprendre le personnage, c'est quelqu'un qui n'est jamais à sa place. Trop maigre pour être soldat, puis trop fort, transporté dans une autre époque que la sienne, pas vraiment en phase avec son gouvernement, puis avec Tony Stark. Bref, l'arc narratif de Captain America, c'est celui d'un homme qui tente de rester fidèle à lui-même au sein d'un monde qui évolue dans le sens inverse. Et ça commence avec un opus qui, lui aussi, détonne par rapport aux autres, avec son allure de film d'aventure à l'ancienne, sorte de Indiana Jones sous stéroïdes. I understood that reference. Réalisé par Joe Johnston, Captain America First Avenger nous montre donc comment Steve Rogers va devenir un super soldat, jouer les pantins pour vendre des bons de guerre, partir au front pour devenir un vrai héros en combattant Hydra et ses nazis encore plus méchants que les nazis, et finir congelé après avoir sauvé le monde, mais pour être retrouvé 70 ans plus tard et participer au premier Avengers où son évolution va être un peu freinée. Bien sûr, son charisme naturel lui permet de devenir un leader au fil du récit, mais le reste du temps, c'est surtout Tony Stark qui fait le show pendant que tout le monde se fout de la gueule de Steve à cause 1. De sa tenue, et 2. Du fait qu'il soit à la ramasse, sauf quand il faut faire parler sa force surhumaine. À l'échelle des 7 films dans lesquels Steve Rogers a un rôle central, Avengers est pour moi le moins intéressant, à trop jouer sur le côté boy scout du héros, que l'on retrouve dans ses vidéos éducatives de Spider-Man Homecoming ou même dans son caméo dans Thor Le Monde des Ténèbres. Perhaps you prefer one of your new companions, given that you seem to like them so much. Oh, this is much better. Whoa. Costume's a bit much. So tight. Heureusement, tout change vraiment en 2014 avec Le Soldat de l'Hiver, l'un des meilleurs opus du MCU et sans doute mon préféré. On retrouve les influences des comics d'Ed Brubaker qui a créé le personnage du Soldat de l'Hiver, de la série La Sentinelle de la Liberté qui a inscrit Captain America dans l'après 11 septembre, et des Ultimates de Mark Millar, version modernisée où le héros est un soldat fidèle à une armée qui utilise des moyens peu recommandables dans un monde bien plus complexe que celui qu'il a connu et dont on retrouve aussi des traces dans Avengers 1. Et donc, paradoxalement, la saga qui avait commencé avec un film situé dans les années 40 se poursuit avec l'épisode le plus ancré dans notre époque depuis le premier Iron Man. En plus de faire ressurgir le passé de Steve, l'opposition entre Captain America et le Soldat de l'Hiver survient alors que les relations entre États-Unis et Russie se sont rafraîchies et le héros découvre qu'il est le symbole d'un gouvernement dans lequel il ne se reconnaît plus, et pour cause, il est gangréné jusqu'à la moelle par Hydra. Hydra.
Un twist qui permet de faire bouger les lignes du MCU et de sauver la série Agent of S.H.I.E.L.D., mais également de s'interroger sur ce que représente le mythe du super-héros aujourd'hui, une thématique que l'on avait surtout vue du côté de DC avec les très symboliques Man of Steel et Batman v Superman. Beaucoup moins métaphorique, le soldat de l'hiver lorgne davantage vers les thrillers parano des années 70 pour évoquer le présent et nous montre un Steve Rogers de moins en moins en phase avec ses supérieurs et à qui il ne faudrait pas grand chose de plus pour leur tourner le dos. Looks like you're giving the orders now, Captain. Damn right. Pour l'instant, ce sont juste des méchants qui ont infiltré le Shield, donc on garde une distinction entre le bien et le mal. Mais les frontières se brouillent clairement et on a l'impression que la place d'un homme aussi intègre que lui est dans ce musée où son bouclier et son costume sont exposés. Un an après ce bouleversement majeur, Avengers 2 lève un peu le pied sur Captain America, mais introduit trois éléments qui auront leur importance par la suite. Son statut de seul leader des Vengeurs, ses divergences de point de vue avec Tony Stark dans une scène où Steve Rogers envoie du bois, et cette idée que Thor n'est pas le seul héros digne de soulever son marteau Mjolnir. Une scène rigolote qui nous offrira l'un des moments les plus marquants de Endgame, mais avant ça, il y a Civil War, le fameux. Bien sûr, ça n'est pas aussi fort et dense que dans les comic books, mini-série publiée entre 2006 et 2007 et qui avait des répercussions à long terme sur l'univers, à commencer par la mort du héros. Mais au ciné, l'arc de Steve se poursuit grâce aux deux hommes qui ont écrit ses trois aventures solo, Christopher Marcus et Stephen McFeely, à qui on doit également les scénarios de Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Ils ont donc pu faire évoluer les héros de façon logique et cohérente, du début à la fin de son histoire. Et dans Civil War, il s'oppose à Tony Stark et donc au gouvernement, désireux de contrôler les faits et gestes des Avengers. Bah très patriotique tout ça me direz-vous? Bah oui, voilà qui illustre bien le malentendu autour de Captain America, qui ne défend pas tant son pays que les valeurs qu'il incarne ou incarnait, à commencer par la liberté et la justice, la liberté de faire le bien sans contrainte et la justice pour Bucky Barnes, soldat de l'hiver qui a une tête de coupable idéale, mais que Steve compte défendre coûte que coûte lorsque celui-ci est victime d'un coup monté. Et parce que la loyauté fait aussi partie de ses principes. He's my friend. So was I. Et qu'est-ce que tu fais après avoir atteint le point de non-retour comme ça? Eh bien, tu abandonnes ton titre de Captain America et le symbole qu'il représente, mais pas tes alliés, pas totalement. I promise you, if you need us, if you need me, I'll be there. Et dans le diptyque Infinity War Endgame, on assiste à un double retour. D'abord celui de Steve Rogers, qui vient prêter main forte aux Avengers et mène la bataille finale contre Thanos et son armée, puis celui de Captain America avec le costume étoilé et le bouclier, héros dont le nouveau monde ravagé par Thanos a besoin. Un changement qui intervient symboliquement lorsque le héros se rase et retrouve son look d'avant. Mais il a changé intérieurement et on peut voir dans son affrontement avec lui-même lorsqu'il retourne en 2012 une métaphore, une façon de se confronter au héros beaucoup plus naïf qu'il était auparavant et de boucler la boucle avant l'heure. Avant cette consécration lors de la bataille finale, ce moment où Steve Rogers prouve qu'il est bien le meilleur personnage du MCU, capable de soulever pour de bon le marteau de Thor. Et de réunir les Vengeurs autour de lui, y compris les ressuscités, pour lancer son cri de guerre, le célèbre Avengers Assemble, ou Avengers Rassemblement en français, que le cinéma lui avait toujours refusé. Avengers! Passé ce point d'orgue, le film offre la meilleure conclusion possible à ce personnage hors du temps en lui permettant de retourner vivre en 1945 avec Peggy Carter et enfin lui accorder cette danse promise avant d'être congelée. Gonna need a rain check on that dance. Pour moi, c'est mieux que de le faire mourir et ça conclut parfaitement l'arc narratif du héros avec une touche d'émotion en le remettant enfin à sa place, ce après quoi il court depuis le premier opus de ses aventures. Et on peut dire qu'il l'a bien mérité. Mais est-ce qu'on en a vraiment fini avec lui? Alors techniquement, Steve n'est pas mort, et en plus, la dernière bande-annonce de Spider-Man Far From Home semble contenir une énorme révélation. You're saying there's a multiverse? We have a job to do. You're coming with us. Et oui, un multivers dans le MCU avec plein de Captain America potentiels donc, mais je préférais qu'on laisse Steve tranquille et qu'on se concentre sur le Faucon à qui le bouclier a été transmis. Don't you say I left. Come on! Bon et vous alors, que pensez-vous de la fin de l'arc narratif de Steve Rogers? Êtes-vous d'accord qu'il s'agit du meilleur personnage du MCU? Sinon, qui est votre chouchou? Dites-le nous dans les commentaires et nous on se retrouve très vite pour décortiquer l'actu geek et héroïque avec un bouclier étoilé ou pas, tous ensemble. Allez, salut!